Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment dépoussiérer une tour, une unité centrale quoi. Voilà, on va faire ça avec la tour qui est derrière moi. Je tourne la caméra, je vous montre ça de suite. Voilà la tour. Hein. Il y a un panneau latéral ici que j'ai déjà sorti, hein. C'est quand même plus simple pour dépoussiérer. Il y a deux panneaux, vous pouvez sortir celui de l'autre côté aussi, hein. C'est juste une vis à sortir, deux vis par côté à sortir, hein. Vous sortez le panneau. Voilà. Là, c'est une config un petit peu gamer, un petit peu ancien. Mais bon, il y a une carte graphique ici que j'ai déjà déposée. C'est plus pratique pour dépoussiérer, hein, parce que là, on va surtout dépoussiérer au niveau de la ventilation et au niveau de la ventilation et du radiateur du processeur ici. Voilà, les points les plus importants sont au niveau des radiateurs du processeur, ventilateur et radiateur de la carte vidéo. Et après, sur le global, on va faire du propre un petit peu partout au niveau des ventilateurs, des disques et du boîtier. Donc, je vous conseille de faire ça plutôt en extérieur, hein, parce que s'il y a de la poussière dedans, vous allez en mettre de partout dans la maison. Donc ça, moi, je préfère le faire même en boutique. Hein, je le fais à l'extérieur du magasin parce que ça envoie trop de poussière. Allez, je sorte le PC et je vous montre ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, hein, ouais, c'est bien poussiéreux. Hein. Alors, on va attaquer par ici en premier. Voilà, je vous montre un petit peu, je vais le faire proprement sans filmer, mais là, je vous montre un petit peu à ce niveau-là. Bien insister dans les ailettes, au niveau du ventilateur. Voilà. Et après, ce sera un petit coup global ici, vous voyez. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, pour la carte vidéo, voilà, il faut insister au niveau de la ventilation ici et au niveau du radiateur caché par le cache plastique. Là, hein, mais vous pouvez soit vous sortir le cache si vous y arrivez sans abîmer la carte, soit vous soufflez par là. Voilà, par là, vous voyez le radiateur alu derrière, il faudra souffler là-dedans. Hein. Voilà, il faut nettoyer tout ça. Voilà la carte, une fois soufflée. Ça, c'est propre. Pensez aussi à insister au niveau des prises. Hein. La prise des sorties écran, aussi bien ici qu'au niveau des sorties USB et toutes les prises aussi. Hein. Vous mettez un petit coup de soufflette, quoi, de bombe à air à l'intérieur pour bien nettoyer tout ça. Petite parenthèse pour dire que je paye tous mes produits, alors n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je n'ai pas de cadeau des fournisseurs. Voilà, j'en ai profité pour tester deux bombes, hein, deux bombes à air sec. Plus ou moins, hein, on va dire. Voilà, moi j'ai commencé le nettoyage, le dépoussiérage avec cette bombe Sanotech achetée chez mon fournisseur. Bon, je vous cache pas que le prix est assez élevé. Hein. Elle coûte entre 12 et 15 euros. Hein. On la trouve entre 12 et 15 euros, la bombe. À côté, j'ai testé une bombe, celle-là je ne connais pas, je l'ai achetée sur Amazon pour presque moitié prix. Je voulais tester un petit peu, hein, voir si ça pouvait faire le boulot pour moins cher. Alors, ça fait le boulot, mais par contre, ça envoie trop de... Pour moi, ça envoie trop de résidus de... Ça, on dirait de la glace un petit peu. Il y a trop d'humidité pour moi. Hein. Regardez, je vais vous montrer ça. Je ne vais pas faire ça sur le composant, mais je vous donne un exemple. Regardez, je vais souffler ici. Voilà. C'est vraiment de l'air. Il n'y a rien d'autre. Et avec la bombe de Amazon... Voilà, vous voyez, il y a comme un, je ne sais pas si ça se voit, voilà, il y a beaucoup plus d'humidité, là ça sort quasiment de la glace, hein. Alors je ne sais pas si je suis tombé sur une mauvaise bombe, mais bon, ça souffle bien, mais je trouve que l'humidité sort arrive trop vite, ça arrive aussi d'avoir de l'humidité avec cette bombe, mais ça arrive un peu plus tard quand même. Donc voilà, il faut souffler, mais pas trop longtemps que celle-là, sinon j'ai l'impression que ça envoie de l'humidité complètement sur tous les composants, trop rapidement, en tout cas. Bon, sinon, le PC
est globalement propre, dépoussiéré, complètement dépoussiéré. Voilà, au niveau des disques, du boîtier, du radiateur et du ventilateur. Ventilateur, boîtier aussi. Voilà, tout ça est propre. La carte mère est complètement dépoussiérée aussi. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez aussi sortir les barrettes de mémoire pour souffler un petit peu au niveau des connecteurs de barrettes de mémoire. Voilà, prenez quand même vos précautions hein, quand vous soufflez. Attention de que la bombe ne sorte pas trop d'humidité, ça peut abîmer les composants. Sinon, voilà, vous voyez, c'est assez simple. Hein. Une fois que c'est fait, tout complètement dépoussiéré, il n'y a plus qu'à remettre les panneaux, attendre un petit peu et rebrancher tout ça. Voilà les amis.